الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله اليوم نحن في كويا ما بيت الأبيض في عند مانجا كويا في كويا نحن والله ما الشيخ الذي هل تعرفون بسمى الأبراهام الذين بدع الإسلام أبراهام كابا ولد من كينيا هل تعرفون الشيخ هو يخني كبير مخني كبير في كينيا أليس هكذا يا سيدتي كبيرة Bonsoir, chérie, pour moi. C'est un plaisir pour vous de vous recevoir sur notre plateau. Ouais, merci. C'est un plaisir partagé. Ouais. Merci beaucoup. Ah. Alors, monsieur Santampé, comment vous êtes retrouvé dans la musique? Ouais. C'est une bonne question. Et je salue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, depuis mon enfance, mon premier surnom, c'était Super Yéyé. Super Yéyé. Moi, mon père et tous mes arrière-grands-pères, c'est des imams, je suis irrédié, quoi. Je suis rentré dans la musique sans savoir qu'est-ce que je faisais. C'est parce que depuis l'âge de 10 ans, moi, j'ai dansé. J'aimais danser. C'est mon enfance. J'aimais danser, tout le monde me connaissait à Kindia. Moi, on dit, elle a un gafan yifibu, moi. C'est ma maman qui m'aimait trop. Mes deux parents m'aimaient. À mon enfance, moi, je suis grandi avec le Coran. C'est parce que mon père était l'imam, qui est Karamoko. Mais moi, mon enfance, à 8 ans, 10 ans déjà, je pouvais animer tout un quartier avec mon handicap. Ce scénario, à ma roule une dendare en forêt, et ramène une coigne ruine à mener. Ton côté qui te fait mal, qui te fait complexe, il faut mettre ça là-bas en valeur. Ton côté que les gens pensent que c'est négatif, et il ne sait pas pourquoi Dieu t'a fait, pourquoi Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné ça pour avoir un pouvoir. Tout ce que Dieu fait, c'est ça qui est bon. Mais donc si tu es conscient de cela, donc quand tu as quelque chose qui te fatigue, et puis il faut vraiment croire que c'est là-bas ta force. Voilà. C'est ça que j'ai mis en valeur. Non, je ne faisais pas les bêtises. Mais c'est nous qui ont fait le premier Dawa avec les Pakistanais chez mon père. Je faisais partie des premières personnes qui ont sorti mosquée à mosquée, quartier à quartier, et région à région pour faire Dawa. Je faisais partie. Ouais. Mais dans la musique, je me suis vu dedans. Depuis à l'âge de 10 ans, à l'école, même si j'ai dit de réciter, ils vont me dire de chanter. Ah bon? Ouais. Et que c'est parce que moi, mon enfant, je n'avais pas de complexe. Quand je chante, je danse avec mon pied. Je dansais Kunduwaka depuis le bas âge. Et puis ma maman me soutenait. C'est grâce à ma maman. Quand je dansais avec Didi Lali, il a dit il allait là, il a dit il allait bim bim. Le temps de dire il allait, c'est nous qui ont mis Didi Lali en valeur. Mais comme mes confrères, mes amis dansaient Didi Lali là, et Didi Lali là, on dansait ça avec deux pieds. Moi, je ne pouvais pas danser avec mes deux pieds. Ils gagnaient toujours. Donc moi, j'ai créé quelque chose qu'on appelle Kunduwaka. Il faut qu'il y ait un pied. Donc Kunduwaka prie l'ampleur. Maradi Salamali, Maradi Salamali, Bekumbumbe, Kunduwaka. Tu as vu? Moi j'ai crié Kunduwaka. Pour moi, c'est quand vous avez fait l'album que. Non, c'est moi qui ai crié Kunduwaka depuis mon enfance pour pouvoir dépasser mes amis. Vous avez trouvé un rêve ou c'est. Non, j'ai crié Kunduwaka. On ne sentait pas Kunduwaka, la main de moi je chante. Tu as vu? C'est moi qui a modifié pour que moi j'arrive à danser avec Mané. Avec
avec Yolé. C'est celui cassé. C'est moi qui a maintenant fait ça. Okay. Kadi, moi j'ai juste une question à poser à mon frère. Je voulais juste savoir son histoire de Kindia. Jusqu'à présent. À Kindia, ma maman avait marre de me voir. J'étais trop aimé à Kindia. Tout le monde m'aimait. Donc moi, je ne pouvais rien faire. Moi, ce n'est pas mon premier métier de la musique. Moi, j'ai commencé avec couture, tailleur. J'étais tailleur. J'ai porté à l'école. Quand j'ai quitté l'école, ma maman, tellement que j'étais, on me disait something en anglais, c'est là le CND. CND, something. Tu as vu? This is something, yeah. This is something, ça coûte déjà something. C'est là-bas que le mot senti. C'est parce que on m'appelait que j'étais un enfant terrible, un enfant qu'on ne peut pas attraper. Je n'avais pas de limites. J'étais très tellement audacieux à mon enfance. J'étais très 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 audacieux. Parce que là, quand on dit à quelque chose, il dit senti. On dit ça, c'est sénère. Les Léonais qui venaient, mon père a grandi là-bas. Les Léonais qui venaient, quand on me voit, dit ton fils là, en anglais, senti. Dis senti. Tu as vu? Yeah. Donc, après ça, ma maman voulait m'occuper. Tu as vu? Mais il a vu que j'aime danser, j'aime chanter. J'ai volé le poste de radio de mon père pour aller à Rissouré avec mes amis. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on m'attrapait, on me frappait. On m'a déjà frappé plus de 200 coups, bien 1000 coups. À Marabout, quand on apprenait le Coran, on pouvait me frapper 100 coups dans 2 jours, 3 jours. Mais je ne voulais rien savoir. Moi, je voulais chanter. À l'âge de 14 ans, ma maman m'a soutenu aveuglement. Elle m'avait soutenu partout où je dansais. Si les élèves de mon père venaient me prendre, il dit non, laisse-le. Ah, celle qui était votre mentor. C'est celle qui était mon premier manager, fan. Elle m'a soutenu, corps et âme. Et alors ouais. Elle m'a comparable à celle de la... Donc c'est là-bas que j'ai commencé. Dès qu'il y a Guinefort, non, moi et moi sur moi. Moi je viens, je sors. Voilà. Dès qu'il y a Sabah, moi je viens, je sors. Donc tout ce qui est danse, moi j'adorais. Donc j'étais artiste. Kali, moi mes grands mots pour une pourquoi à tant un rythme, un rythme qui est mal, un rythme imposé, il n'a même pas de rythme oui même. Et puis savoir encore, elle est fini. Tout à vous, parce que moi, pas la téléspectateur, je suis encore même sorti. Ouais. Vous faites sortir la valeur de nos instruments ici à Guinée, nos instruments matériels. À chaque fois que vous sortez l'album, on dit waouh! À chaque fois que vous sortez, on dit waouh! Vous êtes d'accord avec nous? Parce que moi, je suis une de vos femmes. Alors, c'est quoi votre secret? Votre sorcellerie? C'est quoi votre sorcellerie? C'est quand tu demandes mon entourage, mon groupe. Ils vont te dire que je suis l'un de plus exigeants, l'un de plus, comment on dit ça, insupportable. Je peux faire un titre en 2 ans. Wow. C'est parce que je veux me façonner comme la manière dont le père de Michael Jackson a fait pour son enfant. Je veux créer quelque chose que le monde n'a jamais connu, que personne n'a fait. Je veux faire quelque chose à ma manière, pas copier quelqu'un. Moi, je n'ai pas de maître. C'est moi qui a créé ma façon d'être, ma façon de chanter, ma façon de crier, mes rythmes. C'est moi qui ai fait. Petit Condé paix à son âme, je l'adorais, je l'aimais. C'est parce que je venais chez Petit Condé en 96. Quand je venais chez lui, j'étais prêt, j'ai dit je vais rentrer au studio. Il y avait quelqu'un derrière moi, tout le monde m'aimait, mais j'ai joué avec Gongoma. Et Gongoma n'est pas accordé. Moi, j'avais pris avec Gongoma. Quand je suis venu, il dit non. Je vais te donner à mon ami, il va t'apprendre des accords, des mélodies, avant que tu rentres au studio. C'est parce que tu es trop près. C'est parce que tu as des styles qu'on peut vraiment utiliser.
C'est là-bas que j'ai aimé Petit Condé jusqu'à sa mort. C'est dommage, il a crié ça avant que sa mort, avant sa mort. Il a trop crié, parlé pour qu'on le reconnaisse. Ce qu'il disait et ce qu'il a fait est plus que ce qu'il disait. Depuis la Guinée, ce que Petit Condé a fait, personne n'a fait. Je vous jure. Sékouba Kanya est mon témoin. Sékouba Kanya ne peut pas dire au contraire. Le temps de Sori Kanya, le temps de Demba, Bimbea, le temps de qui? Ce que Petit Condé a fait, moi je ne connais pas l'histoire. C'est parce que Petit Condé, j'ai vécu. Ce que Petit Condé a fait, si personne n'a fait, je veux que vous regardiez ça, c'est moi qui ai dit. Et vous demandez Sékouba Bambino, Sékouba Kanya, Kerfala Kantepe à son âme, son Atata, son Adjeli, qui d'autre je ne vais même pas compter tous les chanteurs Peul, si tu veux. Tous les chanteurs Soussou, si tu veux. Tous les Mandeng, si tu veux. Tout le monde, Petit Condé a accompagné tout le monde. C'est parce que lui, il avait appris chez tout le monde. Donc les gens n'ont jamais reconnu sa valeur. Mais nous, quand on parle, on pouvait dire qu'on est en train de parler de sa loge. Sinon, Sékouba Kanya, tout le monde a connu, Petit Condé, Sékouba Kanya. Le premier groupe de Sékouba Kanya, c'était Petit Condé. Le groupe, en tout cas, que tout le monde connaît. Donc, mais pourquoi on refuse de reconnaître les personnes en temps réel? C'est ça le problème. Moi, le Petit Condé, le moment qu'il me prenait, je ne connaissais rien. Quand je dis rien, à part Gongoma, je ne connaissais rien. Moi, j'étais animateur. Chaque fois, les gens me disent, je suis fort en animation. Non, moi, j'étais simple animateur avec Gongoma. Même si c'est un orchestre contre moi, un Gongoma, tu peux me battre. Voilà. Kali, quel est son secret de faire des bons clips, un clip traditionnel, un clip qui parle de l'Afrique. Merci Abraham Santi. Kadesou. Ntaouba, téléspectateur de Conakry Nouvelle Source. Ntaouba, je pense pas si moi je peux dire maintenant je suis fan de M. Abraham Santi parce que lui il explique même le futur et tout. Alors, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle Source, M. Abraham Santi, pouvez-vous nous dire ici quelle place occupe la musique guinéenne à l'international? Parce que vous, c'est quelque chose d'énorme pour les Guinéens. Dimouna Falama, ici n'y a pas de Kanakry. Comment, par rapport à la musique guinéenne à l'international, dans les autres continents? Il y a des problèmes. Merci beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, ce qui nous fatigue dans notre culture, c'est la complexe. On est complexé. Et quand on est complexé, on ne pourra rien faire, on ne pourra rien apporter. Même au monde entier, chante coupé, décalé ou bien afrobeat, moi je refuse de le faire. Je peux mélanger les deux, mais je ne peux pas m'accramponner jusqu'à ce qu'on me reconnaisse coupé décalé. Je ne peux pas chanter s'il n'y a pas la balafon et percu. C'est ça la Guinée, c'est ça Mandingue. Je ne veux pas chanter s'il n'y a pas Kora et Sambani et Bolon. C'est ça notre culture. On peut mélanger ça maintenant avec le batterie, avec guitare, avec tout. Mais il faut que tu sors sonore de l'Afrique. Sinon, tu peux pas, on ne peut pas te vendre aux États-Unis, Canada, machin. Moi, ils ont immortalisé mon image, l'un des plus grands festivals francophonie au monde. Le plus grand festival francophonie au monde, ils ont immortalisé mon image, ma photo, mes vidéos. Ils ont immortalisé jusqu'à la fin du monde. Je serai là-bas. Istokera, mon témoin. Moi, j'étais parti pour essayer Canada, Montréal, Festival Nuit d'Afrique. J'étais parti essayer. Quand je suis parti, on m'a dit de payer mon billet. Après, ils vont rembourser seulement mon billet. Je n'avais pas de cachet. J'étais parti essayer. Quand je suis parti essayer, il y avait des cassaves, il y avait tout le monde. C'est moi et les cassaves qui ont fermé, fait la clôture. Quand ils m'ont vu avec percu et les balafons, avant que je descende sur chaîne, ils ont appelé Ikaka, négocié 21 dates aux États-Unis jusqu'au Brésil, à cause de percu et balafon. Mais pourquoi les nouvelles générations sont complexées? Mais demande Isto Kera, j'ai appelé Isto, j'ai dit Isto, on a eu quelque chose qu'on n'a jamais connu en Guinée. Il dit quoi?
J'ai dit, j'ai eu 21 dates. Mais on m'a dit, est-ce que l'État peut m'accompagner pour l'homme de billets de 11 personnes? C'est parce qu'il veut me voir avec tous les groupes là, Percu, Balafon, Cora, les danseuses, mes danseuses là qui ont effrayé, qui étaient impressionnées. J'appelais Isto. Isto était ministre. Malheureusement, à mon retour, avant que je arrive, ils ont enlevé Isto à sa place. Isto m'avait dit, ok, Isto était content, heureux. Il était pressé que je vienne. Il avait mis tout mis en place. C'était Percu qui m'a donné ça. C'est Balafon qui m'a donné ça. C'est Cora qui m'a donné ça. C'est ça que Sekouba Kanya vient de dire ici. Il faut que nous, la nouvelle génération, on n'a pas le droit de complexer. On peut tirer, il y a plein qu'on peut développer. Sinon, Nigeria était loin. Il y avait les Zérois qui étaient étouffés toute l'Afrique. Nous avons complexé. Les Zérois ont démodé. On a été Mbalax avec les Sénégalais, des Baba Mal, des Yusundu. Ici, c'était Saba. Tout le monde chantait Saba. Et ça, c'est démodé. On avait une coupée décalée ivoirienne. Coupée décalée aussi est démodée. On est venu maintenant, Afrobeat, machin. Pourquoi nous, on jongle jusqu'à présent? Pourquoi on ne cherche, cherche pas une identité? Quand tu fais bullying, on dit, ouais, c'est Kundouaka qui joue ici. Quand tu fais bullying, on dit, c'est telle personne qui dit. Mokante, Atastafoula, le frère, grand frère de Mokante. Il m'avait dit, comment il s'appelle? Le guitariste de... Manfila. Manfila Kante m'a dit, il dit, Kundouaka, tu sais pourquoi tu as l'avenir de la musique? Il dit, c'est parce que tu as créé ta façon d'être, de faire. Il dit, quand tu as un bon artiste, c'est son identité. Création. Quand un artiste n'a pas d'identité, même mon quartier a dit ça, quand un artiste n'a pas d'identité, paix à son âme, il n'a peut-être pas d'identité, tu n'es pas un artiste, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de carrière. Aujourd'hui, tout le monde veut m'attaquer, quand il y a la mode, tout le monde veut faire ça, non? Quand tu as la carrière, tu vas vivre longtemps et tu ne vas jamais rester sans avoir ce que tu veux. Donc moi, aujourd'hui, quand on parle de mes clips, moi je peux investir 300 millions à un clip. Wow. Demande Antonio Soares, peut-être c'est un homme crédible. Il m'a appelé un jour, il voulait me faire un sponsoring. Il m'a dit, je te paye en deux tranches. Je peux te donner 500 millions, mais je te donne en deux tranches. Le 500 millions, tu m'envoies ton compte, je vais mettre. Il dit non, Tiano Musique, il faut le demander, il est mon témoin. Il dit, je veux que tu donnes 200 millions à Tiane. J'ai besoin d'un instrument à Dakar d'amener pour moi. Il dit, les 300 millions, je vais mettre ça dans mon clip. Il y a des réalisateurs à Dakar qu'on appelle Djelongal. Ils étaient le meilleur réalisateur de toute l'Afrique. C'est eux qui ont eu le trophée en Afrique du Sud. J'ai dit, ils m'ont demandé à 200 et quelques millions. J'ai dit, je vais leur donner ça pour faire pour le C. J'ai investi 200 et quelques millions dans pour le C. J'ai payé billet d'avion de 5 personnes de Dakar qu'on a créé. Je l'ai mis à l'hôtel. Ils ont fait plus de 10 jours. Billet d'avion, plus que leur machin, manger les hôtels. Tous les 200, 250 millions est parti dans le seul clip pour le C. Mais tout le monde me félicitait. C'est le meilleur clip, c'est le meilleur. J'ai eu trophée partout. Bénin, c'est moi qui ai été le meilleur artiste scénique en Bénin, l'Afrique. Mais applaudissements, c'est pas ça. On ne finit pas à ça. Ce n'est pas l'applaudissement seulement. Il faut encourager, il faut accompagner. Si ce n'était pas Antonio Soares, comment moi j'allais faire le clip? C'est comme ça qu'on demande les mécénats. Aujourd'hui, quand tu parles de Méjean Blanche, quand tu parles de Belle Keta, Méjean Blanche Koya. Quand on venait à Koya, nous on faisait aller-retour, on ne pouvait pas dormir, mais aujourd'hui je vais dormir à Koya, et puis je vais faire bain de nuit. C'est ça, si ce n'est pas Belle Keta, écoute-moi, Belle Kotepe, si ce n'est pas Belle par exemple, c'est ça le problème, on doit avoir beaucoup de mécènes. Un jour, moi je vais appeler KPC. KPC dit, Kundouaka, tu peux venir chez moi, je suis venu. Il dit, on n'avait pas les quelque chose. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour son album? Quand il a entendu le bruit de mon album, j'ai dit, non, fais-moi un clip. Wallahi billahi talai. Il dit, dis-moi ton clip, tu m'écris. J'ai dit, non, c'est elle.
je vous jure, n'était pas en Guinée. Quand j'étais prêt, je lui ai envoyé un texto. Elle m'a répondu un texto. Elle dit, non, Koundou, rappelle-moi même, on va parler. Elle m'a parlé un certain Diallo, ou bien vieux Diallo comme ça. Machin, j'ai oublié son nom. Il dit, va le voir, il va te donner ton chèque. C'était la première fois que tu es moto faré. Qu'on a créé. Mais non, on était né. Quand KPC m'a appelé, c'était un vendredi. Non, et c'était pas parce que Ngori. Mais c'était mon rêve. C'était pour faire le clip là. KPC m'a dit, va à mon bureau, tout le monde est rentré. Mais je ne veux pas que la semaine là passe, c'était vendredi. Il fait vite, Koundou. Et non, j'étais en voiture. Société générale, en face là-bas, il y a l'embouteillage jusqu'au port. J'ai dit à mon chauffeur, j'ai dit, il faut te coster. Appelle-moi un motard. J'ai joué à moto. J'ai pris un motard comme ça. J'étais parti là-bas. Ils m'ont donné le chèque. Je suis venu, j'ai retiré à Nero, je vous jure. Ça coûte ça, moi, banagrima. Moi, c'est Kanyigrima. Moi, manga grima. Moi, l'onila grima. C'est parce qu'il refait la tongue. Alors, merci KPC. Merci Antonio Soare pour tout ce que vous êtes en train de faire. Continuez à le faire. Ouais. Continuez. Ouais. C'est petit. C'est ça que je parle. Je dis ça, la Messina, les mécènes. Et puis, qui? Les mécènes. Tu as vu les mécènes, les sponsoring. Ouais. S'il n'y a pas ça, il ne faut même pas qu'on compte l'avenir de la musique guinéenne. On exige les artistes pour que faire ça. Mais il n'y a pas de mécènes. Mais s'il n'y a pas Bella, le voyage là. Et bien, il ne voulait pas faire. J'ai dit non. Mais quand j'étais au Nigeria, c'est Bella que j'ai appelé. J'ai dit, aujourd'hui, je suis coincé, il y a ça. Il a appelé quelqu'un de m'envoyer l'argent que je lui ai demandé. Ce n'était pas un crédit. L'artiste doit avoir l'espace, pas l'espèce. Ça, c'est pas payant. Les jeunes doivent chercher l'espace, pas l'espace. C'est pas l'espèce. Tu dois chercher des relations avant que tu tombes malade. C'est à cause que quand tu tombes malade, tu n'as pas besoin d'appeler. C'est eux qui vont venir. Tu dois appeler l'aide, tu dois chercher l'aide avant que tu souffres, avant que tu aies besoin. Donc on doit chercher des grands hommes. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir Bella Keita comme un ami. Vous jure. C'est parce qu'il fait des choses sans condition. Après moi, c'est lui. Écoute-moi, moi, je suis pas un griot. Et puis moi, je ne flatte pas des gens. Dieu a dit, prophète Mohamed, paix et salut sur lui, il dit, Ahabu nas ilallahi anfa ukulli nas. Ahabu nas ilallahi anfa ukulli nas. Anna, où est mon rifani? Salm rihamara. Où est mon rifani? Naran sikam makana hamara. Où est mon rifani? Naran shunguna hamara. Où est mon rifani? Naran nakhari popo jabouibé. Nara na khari mo yo rabo webe nara na fa nara na attention na ba mri nara khai brari la jalousie est acceptable mais pas la haine contre le bonheur de ton prochain qui tombe dans ça reste dans ça ça c'est pas bon ya ya ya. La jalousie est acceptable, mais pas la haine contre le bonheur de ton prochain. Quittons dans ça, sortons dans ça, ça c'est pas bon. Jankaro Boni, Ojumon Sidadi, Yeko Keller, Ojumon Sidadi, Jankaro Boni, Ojumon Sidadi, Yeko Keller, Ojumon Sidadi. Iwa manaranto fe rambi fanato lo rolo royari. Iwa manaranto fa kanari fanato lo rolo royari. Oui, la haine. Malédiction à celui qui nourrit la guerre. Malédiction à celui qui nourrit la rancune et qui en fait moins de survie en fait de détruire les autres.
Aujourd'hui, la Guinée, j'ai trop peur pour la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée, je suis trop inquiet pour la Guinée. Comme on doit profiter, aujourd'hui, on est fait de la musique. Oui, oui. Les artistes doivent être fiers, doivent être heureux. Sans la culture, le monde devient handicap. C'est bien vrai. Ceux qui parlent de la religion, ceux qui parlent quoi? Prophète Mohamed, paix et salut sur lui, quand il venait faire de mariage, il demandait où sont les griots? Est-ce que les griots sont là déjà pour retenir les gens avant que moi j'arrive? Il faut que les gens arrêtent tout. Dieu a dit, prophète Mohamed a demandé à ses disciples, alors qui est la meilleure personne sur terre? Quelle action qui est plus que toutes les actions sur terre? Il dit, Habu Nas ilallah anfa'ukhul linnas. Habu amal ilallah sun tudkhiluhum ala muslim. Ana walfa yina ngi walfa yibirina. Ana ga ina inga ke ngi lakhi. Ina dorbo ngi lakhi. Ina barbo ya sewa. Mais mi fait la Guinée won tamba won bo la mi fait la Guinée won tanna ethnocentrisme guiné. Mi fait la Guinée won tam ngom khay khom ba sono. Tout le monde est devenu nerveux, tout le monde est venu rancunier, tout le monde est venu haineux. Pourquoi la Guinée? Pourquoi? Est-ce qu'on mérite ça? Awu ngom sa si fa khom la Guinée. Awu ngom la Guinée kha barka. Awu ngom la Guinée kha daga. Fong ngom ma Guinée nu won tanen Guinée nu wonga Guinée matingri. Wonga rafala, wonga sensibilisé, wonga moral fema. Ala ko ira colonisé ba Guinée ya. Wow. Khama ala no ala lam ala sekene ala senan na yala nga belaka. Na senan na ngi se bi na dunia ma. Na do nga bi na da khne kun na fa fa kun na nga raba na sa fa mba raba. Ina me kun na na ke raba fa kun na nga mba ya ba. Ana fa la yebe ba be kun ana ba sa ba fa la fa kun na to mun sa. Ana fa la yebe fa kun dia mona fa kun mba raba. Ma ga se tan daret kam belaka ala belaka. Aga mangaya dara ka tron ana da ka belaka na. Tellement na ma niya na gwe ma niya muna. Ina me et une course course yon nana ki ala tala ra repose pied ande ra ra 16 non ara repose pied na mais non la gwe na ra 16 non ala tala repose pied ma wasi a course yon samawat wala ard ana ra ko so le fe non bon so le fe do ra de ara repose pied bele bele be na repose pied fan do na ra na mala ra trone na repose pied fan na trone fan ko repose pied be alo na ina aiguille tongo awol désert ma de aiguille tombe tombe deuxièmement il n'a trône fa il n'a repose pas femme ou le deuxièmement n'a repose pas femme tombe nous n'a repose pas rumbo quand on se fait nous bosse le feu bah repose bien il n'a repose pas femme ou le il n'a repose pas femme d'or trône ara trône cuit n'a trône fa rumbo repose pas ben alors n'a aiguille tongo et ta fait n'a fil de fer alors quand ta fait n'a le fil de fer ouya mais on t'en arrête au aiguille il n'a aiguille tongo n'a ou le deuxièmement après nous on a fait des bah tombe bah Netamu Toma, ina na kupo pe kusiyung, na fanga bo korosho fe nubo shule febe. Ina kusiyung, ina tongo ina wale ala katrone kui, ala katrone fanga rumbo kusiyung be, alo ina egui wale desert ma. Ala kana trone na ya langa abelera. Amisegota ya langa abelera. A Adam na ya langa abelera. Tellement Adam a fait Alama. Attends, amis, c'est quoi ta mouille à l'angra belakara? Ara kalena ya l'angra belakara. C'est un rambi n'a pas d'un yomana, n'a pas d'un sebi sebema. C'est un kamoutanta. Amis, c'est quoi ta l'angra belakara? Ali guia ma kena nous, Ariana nous, Jahanna ma d'arabe la canana, Ariana d'arabe la canana. La jalousie est acceptable, mais pas la haine. Contre le bonheur de ton prochain, quittons dans ça, sortons dans ça, ça c'est pas bon. La jalousie est acceptable, mais pas la haine. Contre le bonheur de ton prochain, quittons dans ça, sortons dans ça, ça c'est pas bon.
La jalousie est acceptable, mais pas la haine. Contre le bonheur de ton prochain, quittons dans ça, sortons dans ça. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, ce qu'on va dire aux Guinéens, on doit s'aimer. On doit s'aimer. Mba, il faut que tu ne rendes pas tu es On a un beau rafan. On a un beau bé. 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 Donc c'est ça, Bouba. Ah, merci, chers téléspectateurs. Les mots nous manquent. Juste, nous allons terminer. C'est presque fini. Mais juste, vous savez, l'homme que vous voyez. Il Hadj Abraham Kaba, communément appelé Santi. Une minute, ma maman n'a pas raison. Oui, elle n'a pas raison de mourir. Oui, ça j'adore le morceau. Le morceau-là, maman n'a pas raison. Je ne chantais pas pour les gens. Je ne voulais pas mettre ça sur mon album. Je chantais ça pour moi. C'est comme ce que mon frère vient de dire, Sekouba. Il dit que Sunyata chantait pour lui-même. Soumaoro, pardon. Soumaoro chantait pour lui-même. Mais à Rakolon, à ma toron yorou mbotanende, fa fa re tama, ne en a rien lifé. Anita ma toron, ke ma. Tu as vu? Et n'a fait la gré kebe. Ne re fa la gawa rabi anera ou bien amis minera. Se n'a rien à faire à la masse birimbe, ma toron n'a fait à la masse birimbe. Anaka ala tala na aha batu birim batu na kanya kwa batu birim be na kana hili finko mri na kana doro ina kana falde al malakul khudus ala tala hili nenaki malakul khudus salamul muminul muayminul azizul jabarul mutakabir mutakabir subhanallah amma yasukun huwa allahul khaliqul bari'ul sawir lahu asma'ul husna yusabbihu nabiyata ala tala matoqena ala tala khalifin koyina na fa martebimbe ifayina wontan matoqefa fa ala kha wontama ntan baba imam nanara mbaba gona kuefa ina leri na kuyena ngilma kamanda ngilma andangi mercedes la guiné andangi mercedes mbaba gona ra kuefa etan lumam etan kramoko etan walu Agora Kurefari a fille Lima. Wallah. Mais quand j'entends aujourd'hui les gens dire n'importe quoi, c'est ça qui me fait fatigue. Il y a un rôle dans la société. Il y a un rôle dans la société. C'est un des nous faisons. Prophète Mohamed Père et Salut sur lui. A Sende acceptene, Sedna Omar, Sedna Abaka, Etofa, Ena Bane, A Sende Rabane Bane. Mais quand on parle de la Maka, Al-Kaaba, Al-Kaaba va détruire Seigneur Nani, Seigneur Souli, Al-Kaaba va glamour, même madame Al-Kaaba, Mrisinga Al-Kaaba, même madame Nati, Mrisinga Al-Kaaba, même madame. Même madame Al-Kaaba, Sedna nous, Yen Randin Dunyama, anaka dunia bin kala nana alkaba kana netoge sedna ibrahim anaka alkaba ti abraham to dangi sa no prophète rafa prophète na 32 ans abraham ra alkaba ti rambi alkaba mun degrade na kana kafre nati Nam, nam, ah, c'est ça que on doit. Il faut qu'on explique l'histoire vraie. Parce que ça, c'est le temps de Jahiliya. Il faut qu'on explique le thème de toute l'histoire vraie. D'Abu Sufyan, c'est qu'ils ont réuni pour construire là-bas. Netoge, netodangi, prophète Mohamed Fantofa, prophète Mohamed Fana Masara, Ana Rafam Masara. Prophète Fanto Dangara, disciple de Fanfan Ré Massara, Mursinga Nanfan, Nata Massara, Mbetan Fanfan, Nata Massara, un prophète noir mané, Abraham Lukine, Rara Lukine, Nata Abba, prophète Bédarine. Donc, Nata Dangui,
Boe na fa fada no profeta abakin ra sunna fo fanga banakine sunna moy anu nare muna sunna e mula mere bo magalambu il faut que la Guinée guerre nous n'yoron source na nabi il faut que ça s'arrête voilà il faut que ça s'arrête après ben tan na victime bra fou le frometer na victime bra manike frometer na pouvoir chercher frometer la manga de rombe abi c'est faux wo mbi malang wo muno c'est ça il faut na wonga fata donc on a mal on a mal sine wonga no. Laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est une occasion où on a un prophète, un artiste. Il a un prophète. On dit Mohamed ibn Abdullah, Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ibn Qasim, Qasim ibn Kaabi, Kaabi ibn Luway, Luway ibn Abdul Manar, Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim. Ça c'est le prophète Mohamed Rallié. On a dit qu'il y a un bon sœur, il y a un bon sœur, il y a un bon sœur, il y a un Abraham. Tu as vu? Quand on parle de chrétiens musulmans, c'est les mêmes grands-pères. Quand on parle de chouchou, malinke, foulet, gersin, machin, c'est des mêmes racines. Mais il y a la Guinée qui est morte. Il y a un roi minéridi, c'est ce roi mini, foulet roi mini, temuna roi mini, arabe roi mini, anglais minéridi, et ma colonne roi bi minéridi. C'est une autre histoire. Alors qu'on ramène le colon, on m'a langue, on m'a bien roi qui est en falaba. Mais pourquoi roi n'a pas partagé? Mri bele bele badangi dunia, mri hagi ge badangi. La Guinée qui est woke de la woke fin mri karlankenana. Car l'enquête est là, ma rafin. M'ri bene bene nana, m'ri bene bene fara, et radi mou ne meke ton goudé, c'est parce que ma noma. Nana fra babi mou camion à côté rana. M'ri bene bene fara, radi mou ne meke ton goudé. M'ri ragi gena fara, n'a radi à ke ton goudé, c'est parce que araba bi nambe. Amada kan chotirama. M'ri ragi gena fara, m'ri na tambon se à la marambi tellement m'ri servine. Donc, on a un peuple servi. On a foulé à nous, maniqué à nous, terminé à nous, c'est babou au cuit. On a voulu au tagui. Il ne faut pas qu'on arrête de diviser pour régner. C'est ça. Moi aujourd'hui, Nana Tori, toi, je suis mouillé à faire un moment. Non, Nana Sigina n'a déjà fait. S'il vous plaît, Nana Sigina n'a déjà fait. Et Sigina n'a pas coupé. Je veux que la Guinée sorte du lornière, faire quelque chose de spécial, ce qui peut. Nagam, Afrique Birimbe. Mais on ne peut pas faire ça si on n'est pas dans notre culture. C'est l'objectif de Conakry l'ouverture aujourd'hui. C'est ça notre problème. Koukéré. C'est ça. C'est Koukéré. C'est ça qu'on appelle Koukéré. Ouais. Pourquoi Koukéré? C'est parce que Kamaré Mbao m'a Koukéré Nango. Kamaré Mbao m'a Koukéré Nango. Tu as compris? Yeah. Oui. Il y a Roumbe. Et voilà. Ramende nana, Moussevie. Ramende nana. Ramende nana, Moussevie. Oui. I know me foot today, cookie.
C'était juste avec. C'est ce qu'on appelle Tchagadjo. Tu sais? Ah, tu as senti Tchikouli. Tu as senti. Tu connais Tchagadjo, non? Tchagadjo. Tu connais Tchagadjo? Non. Bien sûr, Tchagadjo. Kamaremba. Non, non. Tchagadjo, c'est langue. Moi, je connais. Akolon, Akolon, écoute-moi. Akolon, c'est bien Rima, Rilinena. Bien sûr. Mais il m'a mis un ami Barifari. Et moi, je suis en Tangala, non, du Goubelare. Mais peut-être que ce n'est pas Jésus. Non, pas du tout. C'était ça qu'on a créé une nouvelle show. Aujourd'hui, on était à ce Manga Koya. Koya, précisément, Maison Blanche. Sur le Grand Bella, Albarka Bella, Magnifique Bella. Maison Blanche, c'est vraiment Maison Blanche. Ça n'a rien à voir avec les autres Maisons Blanches. Vraiment, c'est blanc et tout est clair. Alors, maison blanche Bebelou qu'on a créé, alors le Bebelou Koya, alors Bebelou la Guinée. Amen. C'est parce que, à part États-Unis, Canada, j'ai jamais vu, je lance deux filles à qui veut l'entendre, venir voir les chambres des maisons blanches. Pareil Canada, pareil États-Unis. J'ai jamais vu ça ailleurs, même à Paris, j'ai jamais vu une chambre comme ça, comme maison blanche. Venez dire à Koundou Aka, tu mens. Si je mens, maison blanche et Bella Keta. C'est vrai, hein? C'est vrai. Celui qui dit au contraire, il n'a qu'à venir voir de la chambre. Moi, je vais partir demain. Je vais dormir ici, c'est parce que je dois faire bain de nuit. Ça, c'est bien. La piscine dit dedans. Et merci, ça, le problème. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe. Bien. Sous la coordination de Big L Desai Almansa, aujourd'hui, il est devenu le coordinateur général de Conakry Nouvelle Show, Conakry Nouvelle partout où on est. Aujourd'hui, il est là, il nous encadre, il nous montre les chemins. Big merci à lui, comme il est big. Merci à Tonton Alama, le grand réalisateur. Et merci Mohamed, le caméraman, El City. Kadisou, je veux que tu termines.
Mouta Abouba, bien sûr. Ah, grève en Mouta Abouba. Oui, in English, in English. Mouta Abouba, nous allons conclure. In English. But I have just to say that he talked here about women, about mothers. So I want to you with me to conclude this meeting with him about one music of his mother. Mama. Bien sûr, because I like that one. Mama n'a pas raison. Of course. Ma maman n'a pas raison. Yeah. Margin et non dit mon ébé. Ma maman n'a pas raison. Santi, faut nous dire pourquoi ta maman n'a pas raison. Yeah. Margin et non dit mon ébé. Yenda fala mou beba, nan se non dit mon ingabe. Ma maman n'a pas raison. Santi, faut nous dire pourquoi ta maman n'a pas raison. Yeah. Rafere nambe nou. Rafere nambe. Rasembe nambe, sayami rani manou. Infou maran rene ki ke solo manani, imam fan na mi nye firin. Yeah. Nye firin dangire lanyo imam fa fama. Imam fa findi lanyo tera. Nye nani. Ndori pori mounyama. Eh ala. Oui. Eh ala. Ndena rambe la nyoutena. Ndena rambe la nyoute. Mrimouna. Ndena rambe mounyama. Ndena rambe namatenana. La nyoute. Ndena rambe mounyama. Ngayou la moudou ma fanyu kolon lorokirin. Asare sotone. Kona reso untana ma fe. Nganyu la muteri woto fanye kwi Ntantuna woto fanye kwi to Ma maman n'a pas raison Nga fanta kamule Ma maman n'a pas raison Nga fanta nanta en cedera Donka laptani Nga fanta nanta en cedera Nga fanta nanta en cedera Clinique qui, n'a fontaine n'a en CDA. Ma maman n'a pas raison de mourir. Ma maman n'a pas raison. C'est ça l'artiste. C'est ça l'artiste. J'ai chanté ça pour moi seul. Mais j'ai vu Bella Keita pleurer quand je chante le morceau là. J'ai vu tant d'autres pleurer à cause de le morceau. Ceux qui n'aimaient pas. J'avais un ami Bouba Bangoua. Et puis son frère Ahmed Deluxe, qui m'a appelé deuxième jour de maman en prison. Il dit Koundouaka, je ne parlais pas avec ma maman, billahi wallahi. Je vous jure. Il dit c'est à cause de maman n'a pas raison qui est sortie. J'ai invité ma maman à manger au resto. Ils me regardent, ils sont témoins. J'étais aux États-Unis, j'ai chanté 7 fois maman n'a pas raison, je bis. J'ai bu 7 fois, maman n'a pas raison. C'est ça l'artiste. On doit respecter cette culture. On doit aimer, c'est parce que le monde entier aime. C'est les artistes seulement qui peuvent faire ça. Créer des choses qui n'existaient pas. C'est ça le problème. Le début, quand j'ai dit maman n'a pas raison, j'ai dit oh, Kounda qui est devenu maintenant fou 100%. Avant, c'est ça qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il dit que sa maman n'a pas raison. Quand on a dit à la télé, radio, le titre morceau phare de Koundouaka, ma maman n'a pas raison. Les gens disent, tout le monde s'est levé. Non, non, non. Le petit là, non, aujourd'hui, il a prouvé que ouais, c'est fini. Donc Bouba, c'est ça. Et je suis très content, heureux d'être avec vous. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, chérie. Merci. Yeah.